Yo tout le monde, ça va? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo réception. Cette vidéo fait suite à la première vidéo réception du bloc X où je recevais un lot de Reverse que j'ai acheté auprès de Zoromat Pokéworld, donc son Insta ici, comme la dernière fois. Donc pour la petite histoire, c'est juste un lot que j'ai acheté en plusieurs fois parce que bah, c'était un lot quand même qui était assez conséquent niveau prix, étant donné vu le nombre de Reverse qu'il y a. Donc au total, comme je l'ai dit dans la première vidéo, il y a 4 séries, donc à peu près 4 vidéos. Là on est sur la deuxième. Donc la première c'était sur Légende oubliée, et là on est sur Île des Dragons et Let's Go. Et on commence tout de suite avec la recherche du professeur Shen. Voilà, Île des Dragons avec les Reverse. Une petite énergie comme je vous ai dit et je le répète à chaque fois, les énergies ne sont vraiment pas à prendre à la légère, parce que bah, en reverse ou en édition 1, elles sont vraiment galères. Donc voilà, énergie multicolore, crack noir. Voilà, bon, celle-ci malheureusement a voilà, un peu de vécu. Mais bon, c'est en attendant de trouver mieux. Énergie au long WP. Voilà, elle est très belle, on est pareil, on est en état de temps en temps sur du excellent. Bon, là plutôt TBE. Île des Dragons, méthode d'entraînement du professeur Orme. Voilà, très clean. Bon, celle-ci a un peu aussi été jouée. Voilà, énergie codée. Crack noir, très joli aussi. Qui n'a pas de sleeve en plus. Otaria. Voilà, magnifique. Insect. Bon, celle-ci, je l'ai pris parce que vraiment, j'arrivais pratiquement à la fin du set en full reverse. Et ça m'embêtait d'avoir un trou. En attendant de pouvoir la up, bah écoutez, du coup, j'ai pris ce petit insect. Mini Draco, voilà. Malheureusement un tout petit impact. Vibranence, magnifique. Très belle au niveau état. Togepui. Nidorino. Voilà. Hippotrempe. Il me semble qu'on arrive sur les rares là. Pas du tout, on est encore sur les. En plus une commune. Electek. Draco. Là on arrive sur les rares. Ah, un peu commune. Voilà, Draco, il me semble qu'en plus je l'avais déjà. Macronium, très très rayé. Et on arrive sur les holo reverse et sur les rares. Alors du coup Alligator que j'avais en simple holo. Tropius que j'avais en simple rare. Nidoking que j'avais déjà en reverse, mais la mienne était défoncée. Genre, le Nidoking, on savait même pas que c'était un Nidoking dessus. Fenard, pareil que j'avais en holo. Bah, après la plupart du temps en fait ces cartes je les avais déjà, sauf que bah, je les avais pas en reverse. Comme je fais que les reverse, forcément. Une énergie super pour le coup, c'est une super énergie. Lamantine, voilà. Plaisir de pouvoir avancer dans la collection, vous imaginez même pas quoi. C'est des lots que j'attends à chaque fois. Parce que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, bah, je paye et puis bah, Matt m'envoie le lot au fur et à mesure. Et voilà, bon, du coup, aujourd'hui c'était Île des Dragons. Et on clôture avec Hypocéan. Voilà, magnifique. Voilà, donc du coup, je sais pas, au niveau de l'avancement de cette série, j'ai du up, mais d'une puissance, ça me fait vraiment plaisir d'avancer sur les reverse du Bloc-X parce que je pars en saison pendant 4 mois et je sais que je vais pas pouvoir avancer beaucoup. Et là, le fait de pouvoir avancer énormément avant cette petite pause dans Pokémon, bah, ça me fait plaisir. Après, rassurez-vous, les vidéos ne vont pas s'arrêter parce que je compte continuer à en faire, même de là-bas. J'ai pris tout le matos qu'il faut pour tourner sur place. Voilà, petite réception sympathique. On se retrouve pour la troisième réception dans quelques temps. Voilà, c'est suivant quand est-ce que j'arrive à le payer et qui m'envoie tout ça. Voilà, n'hésitez pas à check son Insta à Zoromat. Puis nous, on se retrouve bah, sur les réseaux. Hein. Vous connaissez la musique. C'était Matt, double ciao.